Voici mon deuxième film sur cette faune sauvage, ma grande passion. C'est beaucoup plus dur que de filmer les oiseaux. Mais quand on a de la chance d'en rencontrer, que de bonheur. Ici en Bretagne, j'ai beaucoup de mal, par exemple, à trouver des renards et des cerfs. Pour commencer ce film, je vais remercier Louis, Jean-Pierre, Jean-Louis, Christian, Daniel, Romain, Élodie et d'autres sur Internet pour les partages des vidéos, car sans eux, ce film n'aurait pas existé. Alors, suivez-moi et chut, tenue de camouflage, pas de vent. Pour filmer cette faune sauvage, ce n'est pas facile, il faut connaître ses habitudes. Se placer par exemple dans une clairière près d'un bois, le matin de très bonne heure ou le soir. Et ça ne marche pas à tous les coups. Des fois, on est obligé de déplacer le décor. Surtout, il faut éviter d'être nombreux. Je commence par les vidéos de Louis. Louis Verlaine de Belgique, un chasseur d'images bien sympathique, qui m'a confié une partie de cette nature si proche de chez lui. Pour info, sa maison n'est pas à vendre.
Nous allons parler du renard roux de Maître Goupil. Battue administrative, tir de nuit, piégeage, déterrage. Au total, entre 600 000 et 1 million de renards sont victimes de la chasse chaque année en France. Cette destruction organisée sans aucun quota s'apparente à un véritable massacre aussi impitoyable qu'injustifié. Bien qu'il soit utile à l'agriculture, le renard ne cesse d'être persécuté sous couvert d'une prétendue régulation. Or, une quelconque limitation des effectifs implique tout d'abord la connaissance de l'état réel de la population vulpine, ce qui n'est pas le cas. Le renard a un rôle irremplaçable dans la chaîne alimentaire. Prédateur de rongeurs, il évite leur prolifération. Parfois charognard, il participe à l'élimination des animaux malades et des cadavres, évitant ainsi les épidémies. Il exerce une sélection naturelle, sans porter préjudice à son environnement. Son régime éclectique n'a pas d'incidence notable sur les aliments qu'il consomme, car il varie son menu, en bon opportuniste qu'il est. Voici ce que disent les défenseurs de sa cause. Pour le chasseur, le renard est un destructeur de gibier et de volailles, donc un ennemi que l'on cherche à néantir par tous les moyens. Le renard a été considéré comme un animal nuisible. Mais de nos jours, un autre problème est qu'il est porteur de la gale.